Dans l'épisode d'Ici tout commence du mardi 21 juin, le stress monte pour les élèves. À tel point que Greg, Michael Mittelstadt, demande à Charlène, Paula Petrenko, si elle n'aurait pas des informations sur les examens, puisqu'elle ne les passera pas. Mais la fille de Tessier leur annonce qu'elle a trouvé un moyen de passer outre sa sanction et donc de passer son diplôme. Ce qui n'est pas sans agacer Célia, Rebecca Benamour, qui n'oublie pas que celle-ci a aidé Martha, Sarah Fitri, à la harceler. Peu après, Charlène interrompt ses parents qui échangeaient un long baiser langoureux pour leur affirmer qu'elle a trouvé la solution pour obtenir son diplôme. Et ce, grâce à l'article 20 du règlement intérieur de l'Institut qui préconise que tout élève présentant une moyenne générale d'au moins 10 au contrôle continu ne peut se voir refuser l'accès aux examens de fin d'année. Elle estime donc que sa sanction devrait être annulée. Mais Tessier, Benjamin Baroche, préfère se cacher derrière la décision du conseil de discipline, refusant de favoriser sa fille. Charlène se tourne donc vers Constance, Sabine Perrault, lui demandant d'intervenir en sa faveur auprès d'Emmanuel. Mais Louis, Fabien Wolfrom, a en tête une autre solution, réunir en urgence un conseil de discipline, sans en informer le directeur de l'Institut. Constance accepte de ne rien dire à son époux et met en garde sa fille sur le fait qu'il y a très peu de chances que l'équipe pédagogique accepte de revenir sur sa sanction. Charlène demande donc à Antoine, Frédéric Dieffenthal, Clotilde, Elsa Launeghini, Rose, Vanessa de Mouilly, et Louis que le règlement soit appliqué. Le conseil lui donne gain de cause, au grand désarroi de Tessier qui désapprouve, craignant que cela soit perçu comme un traitement de faveur. Toutefois, il prévient sa fille qu'en aucun cas il lui facilitera la tâche lors des épreuves. Tessier convoque ensuite les élèves de 2e et 3e année pour leur détailler le déroulement de l'examen, il y aura une première épreuve interpromo, en binôme. Ils auront 24 heures pour créer une recette qu'ils devront présenter après-demain. La semaine suivante, les 3e années auront également une épreuve de cuisine ainsi que de pâtisserie. Les fameux binômes pour l'épreuve commune sont les suivants, Salomé, Aurélie Ponce, et Greg, Mehdi, Marvin Pellegrino, et Enzo, Aziz Diabaté, Anaïs, Julie Sassouste. Et Elliot, Nicolas Anselmo, ainsi que Célia et Charlène. Tony met les pieds dans le plat, Axel botte en touche Jasmine, Zoé Séverin, et Deva, Cathy Pacanathan, sont inscrites au planning du service du doubla. Sauf qu'elles ont été renvoyées et ignorent donc si elles doivent travailler. Lisandro, Agustine Galliana, est aussi perdu que les deux jeunes femmes, mais il a bien besoin d'un coup de main, le restaurant étant en sous-effectif à cause des examens. En revanche, il ne veut pas leur donner de faux espoirs, il ne pense pas que Tessier les réintégrera pour autant, ce dont elles ont malheureusement conscience. Plus tard, Lisandro se rend donc dans le bureau de Tessier et Antoine pour leur demander de laisser travailler ceux qui ont été renvoyés pour pallier ce manque d'effectifs. Si Tessier refuse catégoriquement, il se laisse finalement convaincre par Antoine qui lui fait comprendre qu'ils n'ont pas le choix, à moins que le directeur lui-même fasse le service. Si Deva et Jasmine reprennent le service avec le sourire, Tom Darmon, et Ambre, Claire Romain, ne souhaitent pas travailler gratuitement sans aucune contrepartie. Ambre réalise alors que si est-il la fin d'une ère et se demande ce qu'elle va pouvoir devenir désormais. Tom lui propose donc de se lancer dans un projet commun qui les rendrait heureux et leur permettrait de tourner la page de l'Institut.
Ambre a déjà une idée, créer un table d'hôte chez les Gessac. Omarès Allan, Axel, Thomas da Costa, et Solal, Benjamin Douba Paris, profitent du service pour réviser les techniques de découpe japonaises. Alors que Salomé est venue pour commander à manger, Solal sollicite son aide. Il lui propose de lui offrir sa commande si, en échange, elle leur montre comment faire, ce qu'elle accepte. Axel et Salomé font alors la connaissance de Tony, Kevin Diaz, le nouveau livreur. Sauf que celui-ci se méprend sur leur relation, pensant qu'ils sont en couple. Ce qui provoque un léger malaise. D'autant que le jeune homme insiste lourdement. S'il s'excuse pour ce moment gênant, il leur conseille toutefois de vivre leur vie sans avoir de regrets. Axel avoue par la suite à Solal qu'il a bien failli se passer quelque chose avec Salomé mais qu'aujourd'hui, il est heureux avec Jasmine. Solal essaie de lui faire réaliser qu'il manque quelque chose à sa relation, mais Axel botte en touche.